Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et celle-ci sera la première sur Wii Action. Oui, c'est ma première vidéo sur un haul action. Tout simplement, je suis allée donc chez mes beaux-parents en vacances et donc j'avais regardé déjà sur internet si il y en avait un et il n'était pas référencé et donc devinez quoi, ils ont ouvert donc un action et ils ouvraient les portes donc durant les vacances où j'étais chez ma belle-mère. Donc j'ai dit à mon mari, il faut y aller jeudi dès l'ouverture. Donc on y est allé le matin très très tôt, du moins le matin très très tôt. Voilà, donc vu que c'était l'ouverture du magasin, donc c'était tout bien rangé, voilà, parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur des hauls action où certaines youtubeuses ont filmé le magasin, comment étaient les rayons et tout. Moi, je ne vous ai pas filmé, voilà. Donc, où vous voyez que les rayons étaient, donc, il y en avait partout. C'est vrai que moi, j'y suis allée deux fois. Donc, j'y suis allée la première fois. Voilà. J'ai regardé et j'ai acheté certaines petites choses et ensuite donc je voulais absolument acheter donc les rangements acryliques à tiroir qui coûtaient donc 2,99 €. Je vous en avais parlé et hélas voilà, je ne les ai pas trouvés. J'ai demandé, on m'a dit de revenir samedi, donc samedi nous y sommes retournés avec mon mari. Et hélas, bon, il n'y était pas et malheureusement après on repartait. Donc voilà, on est revenu donc chez nous se reposer un petit peu pour repartir. Et donc je suis trop trop contente puisque ça sera ma première vidéo action. Donc je vais vous montrer les articles que j'ai achetés. Donc j'ai deux bourses puisque on est allé deux fois. Et bien sûr en y allant une deuxième fois, j'ai revu certaines petites choses et j'ai recraqué et j'ai pris encore des choses. Donc je ne vais pas prendre mes tickets de caisse. Lors de mon montage vidéo, je vous mettrai donc les petits prix ici ou en bas. Lors de mon montage, ça ira beaucoup plus vite. Je ne vais pas chercher. Voilà. Donc voilà, on va commencer par le petit paquet puisque je n'ai pas pris de cabana. J'en ai des tonnes chez moi. Donc j'ai juste pris des sacs comme ceci, simple. Voilà, donc avec écrit action. Voilà, donc on y va. Donc en premier lieu, j'ai acheté donc ces éponges. Donc ces éponges, ce sont des éponges magiques. Je vous en ai déjà présenté donc sur le site AliExpress. Ils les vendent par 10. Je ne me rappelle plus le tarif. Donc j'essayerai de vous retrouver. Je vais marquer AliExpress ici au prix où je les ai payés. Et donc chez Action, il n'y en a que 5. Par contre, la différence qu'il y a entre AliExpress et donc Action, c'est que peut-être il n'y en a que 5, mais elles sont beaucoup plus épaisses. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais voyez, elles sont beaucoup plus épaisses. Donc je pense qu'elles doivent être beaucoup plus durable dans le temps, puisque celles que vous retrouvez chez AliExpress, elles sont certes très bien, puisque je m'en sers vraiment pour tout, pour mon canapé, pour ma salle de bain, parce que c'est vrai que ça nettoie très très bien. Mais par contre, le petit hic que je pourrais donner, c'est que elles sont beaucoup trop fines et elles se gaspille, la gomme se gaspille trop trop vite, donc sur les 10, voilà. Donc maintenant à tester celles-ci, si elles sont beaucoup mieux, si elles durent plus dans le temps, et je crois que je les ai payées moins d'€1, les prix seront ici. Donc voilà, je vous donnerai mon avis. Donc voilà, pour nettoyer les roues de voiture, la cuisine, la salle de bain, les carrelages. Et quand je les ai vus, je les ai achetés de suite puisque je recomptais en commander chez AliExpress. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que celle-ci était beaucoup plus épaisse et je regrette de ne pas en avoir pris deux ou trois paquets parce que voilà, malheureusement, vous savez que dans mon département, je n'en ai pas. Voilà, donc ensuite mon mari s'est pris ça. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà, c'est ça.
Alors, je vais lire ce qu'il y a écrit. C'est un multi-professional tools pour pièces. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, je lui demanderai à quoi ça sert et je vous l'indiquerai ici en bas. Donc, il s'est acheté ceci. Voilà. Donc, après, il y a d'autres articles qu'il a achetés et qu'il a utilisés. Donc, il s'est acheté une grande éponge comme ceci, jaune, pour nettoyer sa voiture. Il a acheté un produit pour nettoyer la voiture. Et il a acheté un chiffon aussi. Voilà. Donc, je vous mettrai ici ce qu'il a acheté, qu'il a utilisé ici avec les tarifs par rapport au ticket de caisse. Il y avait une éponge, il y avait un produit, je ne sais pas si c'est un produit d'intérieur ou d'extérieur, et donc il avait acheté aussi une espèce de chiffon pour faire briller. Donc je vous mets ici les trois articles. Ensuite, il a acheté donc du silicone comme ceci. Voilà. Hop, 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 je vous mettrai le prix. Ça, je pense pas que ça vous intéresse. Ou peut-être que oui, hein. Je sais qu'il y a des femmes qui sont bricoleuses. Donc ensuite, j'ai acheté donc ceci. Donc ce sont des rangements. Voilà. Donc je les ai achetés parce que ma belle-mère en avait un. Et je trouvais que c'était super bien. Et donc quand je suis retournée chez Action et que j'ai fait l'autre partie du magasin, j'ai donc vu donc ces rangements et donc je les ai achetés puisque l'ouverture est très très pratique comme ceci. Voilà, vous voyez, c'est tout à fait hermétique. Voilà, et ça s'éclipse comme ça. Donc moi, je ne vais pas y ranger des bonbons, je vais y ranger peut-être du riz, de la farine, des céréales, je vais voir. Voilà. Donc, vous aurez le prix sur le côté. Donc, ensuite, je me suis acheté un autre comme ceci, mais celui-ci est beaucoup plus grand. Voilà, donc pareil, je vais y ranger des pâtes dans celui-ci. Et donc, l'ouverture est comme ceci. Voilà. Et il est transparent. Voilà. Donc, après, niveau qualité, ils sont certes beaucoup moins chers que ceux qu'on peut retrouver chez Action. Mais on a comparé à ma belle-mère. Et en fait, le plastique est beaucoup plus résistant ceux que vous retrouvez chez Leclerc, puisque ma belle-mère l'a acheté chez Leclerc. Voilà, ils sont plus résistants puisqu'ils sont beaucoup plus chers. Mais voilà, moi c'est pour mettre dans mon placard ou en décoration sur ma cuisine. Et voilà, et moi ce qui m'intéressait, c'est cette ouverture comme ceci qui fait vraiment hermétique. Voilà, et voilà. Et je ne l'ai vraiment pas payé cher. Vous verrez le tarif, voilà, c'est vraiment pas cher. Donc je fais toutes mes vidéos comme ça au moins. Je range tout parce que j'ai des bourses partout. Donc ensuite j'ai acheté donc il y avait des accessoires donc de rentrée scolaire. Donc j'en ai profité pour acheter quelques petites choses. J'ai été un peu déçue par rapport à ça puisque je pensais prendre beaucoup plus de choses. Et finalement il y a des choses que je n'ai pas osé prendre puisque je pense que la qualité comme les colles et tout, je n'ai pas osé prendre parce que voilà, je pense que la qualité, voilà, n'est pas aussi bonne que prendre des colles ou des stylos de la marque. Voilà. Donc moi j'ai préféré pour certaines choses ne pas les acheter comme les agendas. Ma fille est en CE2. Les maîtresses ne veulent pas un agenda mais un cahier pour écrire devoir. On avait écrit lundi, mardi, mercredi. Il n'y avait pas. Donc je lui ai pris un taille crayon comme ceci. Voilà. Qui est à peu près assorti aux autres accessoires qu'elle a pris. Donc là, il est à l'envers, mais il y a un signe comme ceci devant. Donc vous aurez le prix. Voilà. Comme ça, je pourrais lui donner. Et donc ensuite, je lui ai pris donc des gommes comme ceci. Elles étaient beaucoup, très très sympas. Et donc, elles étaient assorties au reste de ce qu'elle s'est pris. Voilà. Donc, il y en a 6. Non, il y en a 5. Il y en a 5. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on ne les a pas payés cher, pareil. Et je pense qu'il a resté de l'année dernière. Mais bon, voilà. Pour fin de l'année, il lui en faut toujours.
Donc là, on va attaquer donc le deuxième sachet. Voilà, donc là, on y va. Donc il y a pas mal de choses. Donc ensuite, j'ai acheté donc un cahier comme ceci à spirale. Donc au début, je pensais que c'était un cahier de texte, un cahier pour les devoirs justement. C'est ceux-ci qui veulent les maîtresses pour les petits, quoi, en CE1, CE2. Donc, vous savez, c'est des cahiers comme ceci où il y a écrit lundi, mardi, mercredi, ou machin. Et sur le coup, je pensais que c'était ça. Et non, ça reste un cahier, mais voilà, avec des trieurs comme ça. Et voilà, donc j'en ai acheté deux. Donc, il y en a un que ma fille a pris, voilà, où elle fait des dessins, elle raconte ses vacances. Et donc, je m'en suis pris un pour moi, puisque je pensais que c'était plutôt pas mal d'en avoir un pour pouvoir marquer les vidéos que je veux faire sur YouTube, mes rendez-vous et d'autres choses. Voilà, j'ai pas payé du tout cher, dont l'autre, ma fille, là, je pourrais pas vous le montrer. Voilà, donc je vous mettrai le tarif. Ensuite, j'ai retrouvé dans chez Action donc des décotapes comme ceci. Vous savez, mon amour pour les décotapes, vous savez que j'ai des boutiques et comme j'ai des boutiques, j'adore décorer mes enveloppes. Par contre, quand je les ai achetées, ils étaient comme ceci dans les rayons. Et ensuite, voilà, ils étaient comme ceci dans les rayons. Et ensuite, bon, voilà, moi quand je les ai achetés, je les ai pas payés cher. Mais c'est qu'il y en a deux dedans. Donc là, d'un côté, vous avez les hiboux et de l'autre côté, vous avez les maisons. Alors, celui-ci, il y a des papillons et donc il y a voilà, des enveloppes comme ceci. Et donc, voilà, c'est des petits écotapes puisque je ne les ai pas payés cher. Je crois que je les ai payés 0,35 ou 36 centimes. Mais bon, ils font que 3 mètres. Mais bon, vu qu'il y en a deux, ça fait 6 mètres. C'est très, très intéressant. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai achetés. Donc ensuite, on continue dans le scolaire, comme ça je pouvais ranger. Donc ensuite, il y avait la marque, donc je les ai achetés. Donc il lui fallait des feutres. Donc j'ai acheté voilà, de la marque Bic. Voilà, puisque pour ma part, ça sert à rien d'acheter des feutres qui ne coûtent pas cher. Si c'est pour en racheter deux ou trois fois courant l'année. Je connais comment est ma fille, elle adore colorier. À l'école, c'est pareil et voilà, c'est pour acheter des feutres de la sous-marque du magasin. Ça sert à rien puisque voilà, c'est pas de la bonne qualité. Tandis que les Bic, voilà, quand vous mettez un peu plus le prix, voilà. Donc voilà, la marque Bic, ceux-là, ce sont des pointes fines et ce sont des feutres qui normalement, quand vous les passez à la machine à laver, voilà, si ça tâche, ça part. Et donc ensuite, j'ai pris donc des crayons de couleur aussi marque Bic. Et donc ceux-là, ils ont la mine super résistant, super solide. Voilà. Donc il lui fallait des crayons de couleur pour cette année. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris des crayons comme ceci à papier. Voilà, qui restent dans la colorie des autres accessoires qu'elle a pris pour la rentrée des classes. Donc vous en avez quand même 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, plusieurs designs. Voilà, je trouve ça très très sympa. Donc ensuite, on reste dans le scolaire. Donc ensuite, elle s'est acheté des cahiers d'exercice comme ceci. Donc il y en a 5. Donc elle a pris donc les chevaux et donc de l'autre côté les petits chiens. Je ne sais pas si elle a vu, il y avait les petits chiens. Elle a vu les chevaux, mais je ne sais pas si elle a vu qu'il y avait les petits chiens. Voilà, donc on va rester dans le scolaire. Oui, on va continuer dans le scolaire. Donc ensuite, elle s'est acheté, donc il lui fallait un classeur. Pareil, on ne l'a pas payé du tout cher. Il y avait plusieurs tarifs. Donc nous, on est resté dans cette catégorie-là. Et je crois que le cahier, comme ça, je crois qu'elle l'a pris comme ça aussi. Donc voilà, un classeur grand format. Il lui en fallait un. Donc ensuite, on a pris une chemise. Donc
Voilà, on reste toujours dans le thème des arabesques, genre les 5 heures. Là, c'est super parce que en fait, il y a un gros élastique. Je trouve ça plutôt pas mal. Et voilà, c'est pareil, on n'a pas payé cher. Et voilà, c'est vraiment le gros élastique. Et voilà, bon, elle en a acheté une, mais elle avait une qui était encore potable. Mais bon, voilà, donc elle en a voulu une, donc elle en a acheté une. Et après, on a acheté donc, des intercalaires comme ça, deux couleurs. Donc, il y en a 5. Et voilà, je trouve ça plutôt sympa. Elle mettra dans son classeur. Ça, je suis sûre qu'il lui en fallait, puisque cette année, elle a la même maîtresse que l'année dernière. Donc, je sais comment elle fonctionne. Donc, ensuite, j'ai acheté donc ceci, un petit jouet en bois pour mon baby. Voilà, donc ils n'avaient pas grand choix. Je pensais acheter pas mal de choses pour Maëlia, mais lorsque j'ai effectué mon swap, elle m'avait offert un jouet de venant de chez Action, un petit livre en mousse Amélie, et elle s'en sert beaucoup, elle aime beaucoup. Et je pensais retrouver d'autres articles bébé, mais il n'y avait rien, il n'y avait que des petits hochets, et bon, elle en a beaucoup. Et donc voilà, j'ai pris un petit train comme ça en bois, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je vais pas lui mettre de suite parce qu'il y a écrit à partir de 12 mois et plus. Bon, après, ça reste du bois. Voilà, c'est juste pour voir la qualité. Et voilà, donc la qualité, elle est quand même là. Ça reste du bois. Ça reste un peu comme l'image. Vous avez un petit cheval et une petite vache. Voilà, et ça roule. Et donc, voilà. Il n'y avait que ça qui me plaisait. Qui me plaisait pour elle. Ensuite, j'ai acheté, donc je peux pas vous le montrer parce qu'elle a pratiquement tout utilisé. J'essaierai de choper une petite photo. On a acheté une bombe à eau. Donc, et ça valait super le coup. Et je regrette de ne pas en avoir acheté une autre pour mon neveu, puisqu'on va aller sur Perpignan. Et donc, ils étaient au prix de 2,89 euros, 2,69 euros. Et je peux vous dire qu'on a regardé les prix hier en rentrant chez nous. Et certes, il y a beaucoup plus de ballons. Oui, parce que dans les bombes à eau à Action, vous n'avez que 100 ballons. Mais après, vous pouvez acheter les recharges. Là, on a regardé à la Farfouille, à Jiffy. Ils sont au prix de 8,99 € pour les 500 ballons. Donc je vous mettrai la petite photo ici. Je pense que j'arriverai à retrouver. De toute façon, la bombe à eau, c'est tous les mêmes. Mais par contre, chez Action, il n'y a que 100 ballons. Tandis que dans les autres, voilà. Et elle a super adoré. Voilà. C'est un truc que vous gonflez. Vous mettez de. Voilà, ça gonfle, ça met de l'eau à l'intérieur. Et après, voilà, ils se jettent entre eux. Le ballon rempli d'eau, ou alors ils se font des concours à celui qui va jeter le ballon le plus loin. Donc voilà. Donc ensuite, on a acheté donc des élastiques comme ceci. Voilà, c'était vraiment pas cher. Il y avait vraiment de tout. Vraiment, on y retrouve vraiment de tout chez Action. C'est un peu comme AliExpress, quoi. Voilà, c'est vraiment très très intéressant. Franchement, si vous en avez un près de chez vous, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un truc de fou. Donc ensuite, je me suis acheté donc une robe de nuit. Je me suis foutu tout dans l'œil, c'est pas grave. Donc je me suis acheté une petite nuisette, une robe de nuit comme ceci. Je la trouvais trop trop jolie. Elle est simple. Voilà, avec des petits nœuds comme ceci. J'ai pris la taille XL, donc j'espère que voilà, ça m'ira bien, ça ne sera pas trop grand. Bon, il y avait la taille M, mais c'est vrai que quand j'y suis allée, tout était bien rangé. Par contre, quand j'y suis retournée le samedi, je peux vous dire que ce n'était pas du tout la même chose. Dans les rayons MAC, Make-up, c'était tout ouvert, il y avait du maquillage qui était ouvert, il y avait tout qui était rangé n'importe comment. Dans les affaires, la nuisette, la même, là, elle était ouverte, c'était taille XL, non, taille S. Donc vous pouvez regarder
et la qualité, mais bon, voilà, moi j'ai pas pu voir, donc j'espère que l'XL ne m'ira pas trop grand. Donc voilà, je suis contente de faire ce haul comme ça, je pourrais le porter. Je l'ai pas payé de pas cher non plus, très très contente. Ensuite, j'ai trouvé donc des. Excusez-moi, je devais bouger. J'ai trouvé aussi des culottes. Donc là, j'ai pris XXL parce que voilà, je me suis dit non, je t'aventure pas à prendre du XL. Je ne sais pas du tout comment c'est taillé. Tu vois pas écrit Made in China. Non. C'est quand même des Dolce Bella. C'est quand même du lycra. Il y a écrit lycra ici. Coton. Il y en a deux, je ne les ai pas payés cher et j'ai pris XXL. Voilà, parce que c'est vrai qu'au niveau des hanches, je suis un peu large et je préfère que ça soit un peu plus grand que trop petit. Voilà, et elles sont très très jolies, il y a des dentelles ici et elles étaient pas chères, donc voilà, et je vous dirai ce qu'il en est, ce que ça vaut, voilà. Voilà. Et donc après, on finira sur du make-up. Je vais juste regarder quelque chose. Non. Voilà. Donc ensuite, je vais donc vous prendre vous autre chose. Voilà. Ou je sais pas si je vous la montre ou pas. Oui, bon, c'est pas grave. Oui, je vous la montre. En fait, je voulais la ranger, mais je vous la montre. Donc ensuite, je me suis acheté, je l'ai mis ici. Donc ça se compose comme ceci. Donc c'est un rangement pour courrier à la base. Voilà, vous les avez en plusieurs couleurs, vous les avez en deux couleurs, blanc et top. Et donc moi, de suite, quand j'ai vu ça, c'est pas pour ranger mon courrier, c'est juste pour ranger donc mes palettes du moment que j'ai envie de mettre. Voilà, et je trouve que ça fait trop 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 joli. Et donc j'ai mis ces deux palettes et que j'ai mis sur le coin de ma coiffeuse. Donc il y aura très prochainement une vidéo parce que tout a changé dans ma coiffeuse, le rangement et tout. Voilà, ça c'est pareil, je ne l'ai pas payé du tout cher. Et donc là, on va finir sur du make-up. Voilà, donc j'ai pris pas mal de petites choses que j'avais envie de tester. Donc il y aura donc un crash test sur Action, sur ces produits Max & More. Voilà, donc en l'occurrence, j'ai acheté donc cette petite palette. Voilà, donc cette petite palette, voilà, elle sera, je ne vais pas l'ouvrir puisque cette palette sera mise donc dans mon concours des 500 abonnés. Voilà. Donc c'est pareil, je n'ai pas payé du tout cher. Voilà, donc c'est le nude. Voilà. Donc elle est composée de combien de fards? De 12 fards. Voilà. Donc voilà. Donc celle-ci sera dans le concours des 500 abonnés. J'espère que ça vous plaira. Donc elle ne sera pas ouverte. Ensuite, j'ai acheté donc une autre palette. Donc c'est celle-ci. On a énormément entendu parler. Celle-ci, il y a 8 couleurs. Voilà, donc c'est la nude que j'ai dû prendre. C'est les nouvelles. Donc oui, nude. Voilà, donc il y a. Elles sont très très jolies. Hein, vous voyez, on voit très très bien les couleurs. Il y a du blanc, il y a du beige, il y a du or, il y a du top. Hein, c'est plein plein de couleurs très très pailletées, grisées. Et moi j'adore ces couleurs. Et je trouve que le packaging est très très joli et fait penser beaucoup à NYX. Voilà, et donc j'aime beaucoup et je ne l'ai pas payé du tout cher. Voilà, donc ensuite j'ai acheté donc ce mascara puisque j'en ai vu énormément sur la chaîne sur les chaînes YouTube. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. On verra, je testerai. C'est pareil, je crois que je l'ai payé même pas 1 €. Voilà, donc à tester, je vous donnerai mon impression. Donc ensuite, je me suis acheté donc ceci. Donc c'est une base face primer.
Voilà, donc on nous dit que cette base parfaite est parfaite pour votre maquillage et va avec tous les types de peau. Cette base pour camoufler rend votre peau égale et prolonge la durée de la tenue pendant la journée. La base est facile à appliquer et elle empêche le maquillage de pénétrer dans la peau. Utilisation, secouez un peu avant l'utilisation, utilisez la base après avoir mis un hydratant ou de la crème solaire. Laissez la base agir. Après 10 minutes, vous pouvez appliquer votre maquillage. Il y en avait plusieurs. Bon, moi j'ai pris la verte. Voilà, parce que c'est pour camoufler un petit peu. Voilà. Donc, à tester. J'en avais aucun comme ça. Voilà. Et le packaging fait beaucoup penser à MAC ou à ELF. Voilà. Voilà. Donc, à voir ce que ça vaut. Donc ensuite, je me suis acheté un mascara, un autre mascara. Alors, il est comme ceci. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Il y a écrit mascara, False Look Black. Et donc, celui-ci, on nous dit que c'est un mascara faux cils noirs, allonge vos cils avec un volume amplifié et une courbe raffinée étonnante. Je ne sais pas du tout. Bien agité avant l'utilisation. Appliquez une deuxième couche pour des cils encore plus volumineux. Retirez le mascara à l'aide d'une lotion ou d'une lingette démaquillante. Avertissement, ne pas utiliser les produits cosmétiques en cas de blessure, irritation ou infection à l'œil. Voilà. Donc, à tester, on verra. Les packagings me font beaucoup penser à ELF. Et ensuite, pour finir, donc. Et ça sera terminé sur mon haul action. Je vais pouvoir tout ranger. Donc, je me suis pris donc un blush. Donc, un blush rose comme ceci. On en a beaucoup entendu parler. On les a beaucoup vus. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Et il y a plein de petits cœurs. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et donc, on va faire un swatch. Voilà. Et il est ici. Et il est très très joli. Voilà. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas garder. Je vais le mettre directement. Donc, ensuite, j'ai pris donc un autre comme ceci. Là, c'est un mosaïque blush. Et voilà, quand j'y suis allée, au niveau make-up, j'ai tout pris le même jour parce que tout était bien rangé. Vraiment, vous pouviez, vraiment, voilà, c'était vraiment agréable. Quand j'y suis retournée le samedi, je peux vous dire que le maquillage, il y en avait certains qui étaient ouverts. Et là, c'était pas du tout agréable de regarder. Et là, il se présente comme ceci. Et il est comme ceci. Alors là, vous avez du doré et du rose. Là, il est un peu plus voilà, ça fait un peu comme ça. Alors. Voilà, celui-là, je sais pas si je vais le porter. Il est un peu, fait un peu des effets orangés. Voilà, mais bon, packaging, je le trouvais super joli. Le cœur, voilà, à voir comment ça présente ou si il ne me plaît pas. Ça ira en concours peut-être, je ne sais pas. Et ensuite, le dernier article que je me suis acheté. Donc, c'est une poudre fond de teint qui se présente comme ceci. Voilà, c'est une poudre fine soyeuse qui s'applique facilement de façon unifiante, rend la peau pure, sans tache, éclat fraîcheur. Voilà. Et donc, la teinte, j'ai pris la teinte Light Beige. Et donc, voilà. Donc, à l'intérieur, il se compose comme ceci. Le packaging est très, très simple. Mais voilà, c'est joli. Vous avez une petite éponge comme ceci. Et donc, voilà. À l'intérieur, c'est comme ceci. Vous avez une petite glace ici. Et voilà. Et là, on va voir que ça vaut.
C'est vraiment light beige. Voilà, elle est ici. Je ne sais pas du tout si vous allez voir quelque chose. Je pense que vous allez rien voir. Là, on voit là. Voilà. C'est vraiment light, quoi. Oui, vous voyez. C'est vraiment light. Voilà, donc je ne sais pas si on peut fermer avec. Oui, on peut fermer. Donc, je vais la mettre comme ça. Voilà. Et je ne vais pas l'utiliser de suite. Je vais la garder parce que j'en ai d'autres de poudre à utiliser en fait. Et donc voilà, je vais la mettre comme ceci. Et je vais la garder. Et quand j'en aurai besoin, je l'utiliserai. Voilà, donc j'ai terminé pour mon haul action. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y avait pas mal de choses quand même. Voilà, ça sera mon premier et peut-être le dernier. Ou peut-être si j'ai l'occasion de retourner chez ma belle-mère, mais peut-être que l'année prochaine, peut-être que j'aurai un autre haul Action. J'ai été très très contente de retrouver Action et de pouvoir acheter quelques produits parce que j'ai énormément regardé de vidéos à ce sujet-là. Il y a beaucoup d'articles qui me faisaient envie. Des articles que j'ai retrouvés en magasin, que des youtubeuses ont présentés et que je n'ai pas envie, j'avais pas envie de prendre en fait. Voilà, donc j'espère que ce que j'ai pris aura un peu changé d'autres vidéos et que si vous allez chez Action, ben, vous penserez à moi comme moi quand je suis allée chez Action, j'ai pensé à certaines youtubeuses que j'ai regardées en l'occurrence pour le make-up ou voilà, certaines choses j'ai pris parce que je savais qu'elles en étaient super contentes. Et voilà, donc si vous allez chez Action et que vous voyez certains produits, voilà, vous penserez à moi et peut-être que vous les achèterez. Pensez toujours, si grâce à moi, vous avez acheté quelque chose, que vous en êtes contente, mettez-le moi en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Donc, vous savez bien sûr où me retrouver, donc sur mon Instagram où je poste très régulièrement des photos. En l'occurrence, là, il va y avoir la photo de chez les articles que j'ai achetés chez Action. Bien sûr, ensuite, vous irez le petit icône ici. Suivez-moi, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit, ça vous permet de me suivre. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et donc en barre d'infos, vous aurez donc le lien de ma deuxième chaîne YouTube qui se prénomme Pinky Lydie. Vous aurez la bannière qui va s'afficher ici. Si vous aimez cette chaîne, je vous invite à aller sur la deuxième qui est un cours de création et où il y aura des nouvelles vidéos, d'autres sujets. Voilà. Donc, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt.